Et ok! Et salut à tous, c'est Ricalcos de loin! Et on est parti pour une petite soirée spéciale avec mon ami Araka. Araka que vous devez connaître parce qu'on a déjà fait du go, on a déjà fait. Du SCP? Du SCP, oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on voyait aussi ton visage avec. Exactement. Plus du Warhammer. Et du Warhammer plus récemment. Peut-être reprendre un jour. Quand on doit reprendre, bah j'espère, hein, parce que le travail c'est dur, mais bon. Motivé, hein? Ouais. Moi je dis ça, mais ça a commencé sur WoW. Le... C'est un vrai. Enculé. Oui, c'est un enculé. Oui. Je me venge. Hein. Je te jure que le jour où t'es parti en mode oh, je fais plus de Warhammer avec lui, je vais me venger. Je fais... L'enculé, il est parti sur WoW. Ouais, l'enculé, il est parti sur WoW. J'ai repris les raids et tout, donc. Avec la guilde. Bon, enfin bref, allez, je te pardonne vu que tu vas présenter un petit jeu sympa, même si je le connais déjà. Bah, moi perso. Je connais pas, j'ai regardé un peu des vidéos qui ont duré 20 minutes, j'en regarde un peu. T'inquiète pas. Ici voilà, Spooky Jumpscare, donc ça veut tout dire. De base c'était voilà Spooky House, c'est un vieux jeu hein, marqué 2014 pour dire. Hein. Les vidéos, je sais plus si c'était du Zerator ou si c'était du Squeezie, mais je crois que... Moi les vidéos que j'ai regardé comme ça, c'était Seros. Seros qui fait beaucoup de jeux d'horreur et tout. Et je sais plus, moi ce que je regardais c'est que c'était en bêta et il n'y avait pas encore toutes les étages, je crois qu'il y a plus de 1000 niveaux, c'est ça? 400 ou 1000? C'est pas du tout. Je sais que déjà... À la fin, je sais que... Je suis désolé, je spoil, mais bon, c'est une soirée spéciale, on fait ce qu'on veut. À la fin, il y a un boss à affronter et c'est fini. Mais disons qu'au début, on va avoir des trucs sympas. Ensuite, plus on va avancer, plus on va rencontrer des créatures bizarroïdes. Moi, ce que j'ai vu déjà, quand il a vu une croix pour sauvegarder, il est mort. Ah bon? Oui. Il a voulu sauvegarder, il a cliqué, pouf, you dead. D'accord. Ah bah, il y a aussi des pièges. Parce qu'après, ouais, Jumpscare, c'est peut-être une extension ou je sais pas quoi, mais... C'est Mansion, enfin c'est Spooky House que je connaissais, donc peut-être qu'il y a des nouveautés, etc. Ouais, bon, on va peut-être s'amuser. C'est ça, donc après, c'est un jeu qui est sur Steam, il est totalement gratuit, donc vous pouvez aussi jouer. On va tester ça ensemble, c'est parti. Je crois que c'est pas un clicker game qui est gratuit que je présente. Un espace entrée. D'accord. Ok, il a déjà niqué le truc. Oh. Endless mode continue, new game. Non, new game. On va essayer de finir le jeu quand même. Move. Activer E, entrée ou espace. Sprint, shift. Shift, et lui c'est ma pause. Ah oui, il y a des trucs. Ah. Voilà. Derrière. Bonjour. Donc l'histoire, voilà, c'est une jeune fille qui s'appelle... Ah, tu t'en fous. Un peu de roleplay, non? Oh, je sais. Ah, déjà, on va pas courir. Donc voilà comment se présente le jeu, c'est différentes pièces et plus on avance dans les pièces, plus ça va devenir effrayant, etc. Au début on est tranquille. Hein. Alors c'est bien des pièces random, hein, c'est pas les mêmes pièces. Je ne sais pas du tout. Bah, je pense que la room 4... on n'a rien vu. commence déjà. Donc voilà, ça commence par des petites blagues comme ça, mais après c'est des vrais monstres qui vont nous tuer. On peut mourir dans ce jeu, tu l'as dit. Tu regardes, cette salle, elle est déjà tombée concrètement dedans. Ouais, mais il y a marqué room 6 quand même. Ça va. Chaque pièce, de toute façon, c'est une nouvelle room. Ça peut être des petites pièces comme ça peut être des grandes pièces. Et il y a ce que j'appelle des étapes. Il va y avoir des pièces qui vont être ultra hard, quoi. Oh. Qui vont durer 3 heures parce qu'il y a un truc à faire pour continuer. On va dire que ce sont des niveaux castés. Là pour l'instant on tombe. Ah. Une biscotte qui m'a fait. biscotte. Mais de bière. Ah. Oh mais sérieux, bon, ce jeu va me. Ça doit être le pire, ça paraît. Elle est rouge. T'as pas de dos. Il y a très peu de choses on peut. C'est un peu relou, mais bon. Ouais, espace. Pas le clic gauche. Ça attends, que, pour une fois qu'on ouvre le jeu comme ça, que d'habitude j'ouvre le jeu, que je fais mes configs exprès, maintenant tu comprends. Oh. C'est long. Oh. Avec la musique. Thank you.
Mec dans la pièce. Tous les 50 ou 100 pièces les checkpoints. Parce qu'il y a des checkpoints dedans. Bon bah. Oh! Ton écran il est cassé. Carte graphique à CD! C'est ultra réaliste le jeu! Ah, mais. On va aller tout droit. Moi, on m'a toujours appris d'aller tout droit. Dans un labyrinthe, il peut toujours tourner dans la même direction. Alors, tout droit. Toujours les mêmes pièces. Bon, après, on a. Voilà. Un petit bruit bizarre. Ah la réaction deux secondes après. Après bon il est pas asthmatique, ouais, mais enfin il se passe. On n'est pas cardiaque. Par contre vous faites gaffe, comme j'ai dit, il y a des scènes d'horreur. La preuve. Vous voyez une barre de sprint. Il est un peu asthmatique le. Il est plutôt problème de diabète, enfin il a du mal à courir. Enfin, de café. Oh le son déjà. Oui, ce café. Oh. Bien l'ambiance en vrai. Ah, il commence à avoir des petits sons. On va commencer, c'est à peu près tous les 50 rooms. Ouais, il y a des rounds prédéfinis normalement dans le mode. Genre, je t'ai fait une blague. Je regardais si on pouvait ouvrir un tiroir. Genre des tableaux. Ah. Ah. Les ennuis vont commencer. I chose this place, just the same gate, but I've been here for day now. I'm feeling quite a potion now, and I keep getting feeling light. I am being watched by something. Not romantic. Bon, le seul truc que j'ai compris, moi, c'est ce n'est pas romantique. Ouais, voilà. C'est bien. Donc, c'est comme toi, tu t'es retrouvé là, et tu te sentais observé, mais ce n'était pas romantique du tout. J'ai bien compris, hein, parce que l'anglais est assez. Pour moi, là, tu m'as perdu quand t'as lu, laisse tomber. Il est vert maintenant. Les couleurs, je repasse. Exactement. Ah, on a l'écran cassé. Ma carte graphique. On commence à. Ah, 48, 49. Ah. Quoi? Voilà, donc ça c'est les checkpoints, ça a lieu tous les rooms 50. Et parfois ça va avoir lieu tous les je sais pas combien, donc faut lire les. Voilà. I know something is following me, but I feel like I'm pressing to the same room over and over. Donc, comme nous, il enchaînait les pièces encore et encore. Offered living load, making progress and reaching some destination. Donc il laisse derrière lui des notes comme ça. Pour prouver qu'il avance et qu'il ne tourne pas en rond. Pourquoi il dit que I don't run, donc il ne veut pas courir. Ouais. Out of the ring. Pour l'instant, c'est une personne qui a l'air plutôt bien, mais perdue comme nous. Comment il va perdre la tête. En résumé, c'est ça, même si. Down, on descend. Hein. Ouais. Donc voilà, ça c'était une mise en bouche. Normalement, les ennuis vont vraiment commencer. Mais vous inquiétez pas, hein, j'annoncerai d'avance parce que là, je te vois vraiment tension sur 3 puddings et... et 2 cafés. Et pas Little Pip. Les portes commencent. Ça fait la Resident Evil le truc. Ouais. Boum, 51. Un peu plus en pierre là. On dirait qu'il y avait quelqu'un qui. Pourquoi elle est là? Il
Désolé, je suis obligé de courir parce que... Non. Quoi que tu prêtes, t'as fait 58 euros. Putain. On dit pas de gros. On va même pas... Maybe I should look out. Faut que tu lises les notes avant. Putting, splashing, thoughts, inner, ingest, invoking, lailing, never stop, the clock shocking. Les ennuis vont commencer maintenant. Premier monstre. Ah, ah ok. On trace hein. Quand t'as des flaques comme ça, ça c'est ça, qu'il est pas loin. Ça me slow. Non, ça me slow. Ouais. Musique. Ouf, il t'a touché là. Ah mais je... On peut guérir. Wow, checkpoint. Beaucoup de dégâts, tout va bien. Je rejette petit à petit. En plus, je trace, hein. Oh ouais. Je me tire. 74. Tout droit, on s'en fout du reste. Moi, ce que je veux dire, c'est que les mots, ils vont pas s'accumuler, en fait. C'est un peu plus tard. Je connais la suite après. Pour l'instant, tu sais que tu vas le rencontrer de temps en temps, celui-là. Ah, y'a plus la musique. Soit il a arrêté de te suivre, soit... Tu vas pas hésiter. Donc là, t'es, normalement, t'es en mode. Là, j'aurais tellement mis un petit pudding ou un petit café dans ta gueule. Ah, les notes. Not quit the canching my thirst. Thirst is terrible. Stay. Are terrible. I don't think that it was a very romantic idea. J'ai peur qu'il arrive, donc c'est pour ça que je me suis retenu avec le... Donc t'es en train de dire, t'inquiète, je lis et t'essayes de gérer la crise s'il arrive. On va dire, on sait quand il est là, il y a une... Ah, énorme. On sait quand il est là, boum. Bon, il m'a poursuivi, il y avait une petite musique. Alors, c'est vrai que le jeu, il est pas si effrayant que ça, mais il y a des passages qui flippent à mort. C'est des jumpscares, en fait, voilà. Voilà. Les dessins sont plus effrayants que les monstres. Exactement. Mais ça, c'est un monstre... Le cas a eu ses ragnagnas explosifs. On va même pas aller voir, quoi. Brouillard, je sais plus ce que ça fait. Ça, c'est un room classique, ça va. Oh merde, c'est un labyrinthe. Pas par là. Recommence. On est pris par où après? Donc c'est droite, milieu, gauche. Ah c'est droite monsieur. Ouais. Gauche. Non, gauche. Milieu. 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 Gauche. Ah pardon. Non. Gauche. Gauche. Milieu. 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 Oh. Il manquait juste ça. Tout 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 tout. Ouais moi je me crie pas victoire tout. Ça va. Putain, le mur il fait flipper! Ça fait aussi. Bon sang, checkpoint. Rire.
Alors, I found something today to satisfy my romantic thirst. I awoke today from a brief faint and before I raconte sa vie, blah, blah, blah. I know sur... Pour l'instant, ça... Test strongly metallic. Ouais, pas grand chose. Hein. Pour l'instant, il a l'air serein. Mais je pense que petit à petit, il va moins l'être. Bien se regarder. Et tu t'es... Toi, tu te sens bien? Bah, je pense que... On fait combien de rooms chacun? On en fasse une centaine chacun parce que... C'est ça? On a bien... T'as bien avancé. Donc on essaie de faire une centaine chacun. Toi, t'as fait le monstre facile. Moi, je sais que si tout va bien, je vais me taper un monstre que je pense où j'ai tout un roleplay de merde à faire. Bah déjà, ce qu'on a vu, déjà, on a vu un petit monstre dans un bocal. Ça ressemblait plutôt à une tête avec des tentacules. Voilà. Pourquoi j'ai tout le son comme ça, moi? Oh, tu peux jouer au jeu? Oh. Oh, c'est gore! Il va m'arriver un truc. Qu'est-ce que tu dois faire? Doucement, doucement. Je suis pas encore débile. Quand est-ce que... Ah oui, c'est... Combo. Ouais, c'est que j'ai 100 pièces à faire et là, c'est pas fou. Imagine, je suis tellement à fond que je vais quitter. En fait, j'ai peur de quitter parce qu'il va m'arriver plus, je le sens. Je sais pas à quoi ça sert aussi. Enfin, concrètement, à rien parce que là, tu es. Vous êtes trop longtemps en train de jouer, vous êtes mort de. Comme un geek. Perso, il est en train de. Ouais, de... Hardcore. Après c'est Black Space Exit. Game over. Ah! Surname. Namori 4. Pookie! Ça servait à rien quoi. C'est le petit moment. Moment de détente. C'est quoi ce truc? Ah. Je trouve que c'est peut-être pas le même jeu. Par contre, il n'y a pas de son là, c'est calme. Je crois que c'est un piège. Ah! Deux portes. Je pense que c'est généré aléatoirement. Les... Hello? De toute façon, c'était un petit clin d'œil. On s'en fout, je sais pas parler anglais. Derrière un mur. Pourquoi j'ai des murs comme ça? C'est autant. Oh, ne tombe pas. Putain, j'ai pris le côté. Je sens le. Comment ça s'appelle? Le monstre qui te poursuit sur ça, tu vois. Normalement, c'est dans ces étages-là qu'elle apparaît. Parce qu'en fait, les monstres apparaissent à partir de. Ah bah, je peux pas tomber. Oh, sans le vouloir, t'as bien choisi. Bon, j'ai une... Oh non. Alors.
droit, droite, droit, tout droit, droite, tout droit, gauche. Genre la Luc. Oh putain! J'aime pas trop les pièces comme ça. C'est bizarre. Nouveau monstre. Là, il y a un truc à côté. Ah non. Ah, il y en a un qui est cassé. Ah, rien de explosif. Eh, c'est la salle de tout à l'heure. Ah, une carte d'accès. Ouais, avant la carte d'accès. Non, non, je pense que c'est ça qui va lancer. Sujet 5 a grossi de plus en plus. J'ai prévenu Spook. On a besoin de plus de. Aussi d'actifs. Elle a juste rigolé. J'ai besoin de la carte, s'il vous plaît. Problème. Le stream. Ouais, tu l'as mis en. Le matin, fenêtre. Comment j'ai fait? Bah, je sais pas. Ah, je le voulais en fenêtrer, mais. Arrête, j'ai pris la clé là. Tu me fais flipper, je peux pas. J'ai rien fait. Ouais, c'est ma faute. Excusez-moi, on va jouer en fenêtré. C'est l'écran, ton père. Parce que là, il y a un monstre qui va me poursuivre, c'est sûr. Attends avant de continuer. Le temps de. Nickel. On peut continuer normal. J'ai pris la clé pour aller là-bas. Donc des araignées explosifs, il y a un truc par terre. Et puis les sujets 5 et 12 glaces au monde. En gros il s'est échappé et tout. Ouais, non, toi il est derrière moi. Cours. cours, s'en fout. Il y a un trou. Oh non, il conduit. C'est l'alien. Là, oh, ça bouffe ça. De toute façon, hein, il va peut-être tomber asthmatique, le tien. Après, on va faire du sport. T'as fini de me poursuivre. Moi la paix. Oh. Je suis pas mort. Mais je crois que c'était un poulpe. Cours. T'as asthmatique, Mon bol est sec. Ah, il n'y a plus la musique. Continue. Ouais, ça c'est le. Hey, c'est une règle à jamais faire ça. Ouais. Jamais se retourner. Il est parti. Je pense. Don't think that was wine. Je sais pas à quoi il ressemblait, mais je le pense. Code. Ah, je sais ce que c'est. Alors là, on va avoir les monstres justement qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Spécimen 1. Ah, oh, c'est. Ouais, les trucs qui ouais. James Kerr. Semaine 2. C'est ça qui me poursuivait? Alors, méthode physical tearing. En gros, il fait des dégâts physiques, je pense. Ah ouais. Méthode psychique. Ah, moi, c'est ça, pas des spectateurs. La terre.
Donc il me slow en fait. Quoi? Oh, c'est ça qui te veut. Active en test. Infestation bit. Un spécimen de test en développement. On va en croiser. Spécimen 4. Ça, on va l'avoir tout à l'heure. C'est ce que tu m'as dit là. Une fois que t'as fini, elle te poursuit pour te bouffer. Et quand elle te bouffe, c'est une cinématique de dans, ton, dans son destin. On va voir tous les spécimens. Méthode inconnue. Fatality. 168, mais pas très sûr. Belle extrême. Le dernier, j'ai peur. Spooky. Erreur. Ok. On modifie. Pas dans l'autre dossier, modifier. Non, ouais, modifier la maison. On a vu le prochain. 13 dirounes. Ouais, mais après, sauvegarder, c'est ça le plus important. Ouais. Et puis il souffre en plus. Non, mais pas cette salle, elle est chiante. C'est chiante cette salle. Surtout pour la créature qui va venir qui. Tu la pousse dans le vide. Vol. Ah merde. J'ai spoilé un peu, elle vole. Donc si tu prends une salle comme ça alors qu'elle passe au travers, toi tu peux pas regarder. Je pense que tu vas parce que. Ne regarde pas ce tableau, c'est ah, rien, un sais. SCP, tu le regardes, tu vois. Hop. Encore. Yes. Moi, oh, c'était à droite après. Non, gauche. Gauche, gauche. C'est bon là. Or deux. Tu peux faire, tu peux souffler. Dans le jeu. Ouais. Et le document. I don't know how much longer I can go. Là il commence un peu comme moi, tu vois, en mode. Après, il commence à douter. Putain, m'énerve ce truc. Faut juste bouger. Allez, encore 50 et après, c'est à moi. Courage. Yeah, 2 heures. What you wait? Je vois combien il y a de room en fait. Mille. On a quoi? On a Monsieur Flack qui fait pas trop peur. Qui slow en fait. Et, on a l'autre qui fait des trous. Il y a bien pire après. Resident Evil. Essayer de changer les touches. Trop tard. Ah. Droit. Non, droite. Gauche. Bon. Gauche, gauche. Donc gauche. Gauche. Tout droit. Tout droit. Oh, gauche. Ta-da-dam. Non, il n'y a pas de trou en haut. C'est les monstres qu'il est en train de nous faire, pas le vide. Et encore.
Ça pue ça. Coup du caca ça. C'est pas moi. Oh non, c'est une boucle. J'ai entendu un truc bouger. Il y a les meubles, c'est pas pareil. Non. Pourquoi ça tombe sur ma gueule? Je connais pas du tout ça. Non, on avait 4. Au bout d'un moment, faudrait quand même que je pense à faire du. Je peux sortir, c'est bon. Merci, c'est putain. Faut que ça tombe sur ma gueule ce truc. Non, en fait, j'aime ça. J'aime pas quand je coûte. Ouais. Encore. À toi un peu. Non, non, non. Mais on connaît déjà. Vas-y, je me retape la même salope. Non, c'était un mec, hein. C'est comme ça qu'il te tue. C'est la méthode inconnue. Si ça se trouve, je vais mourir en boucle. Et là, c'est un vrai truc. On le savait qu'il allait. C'est pas fini. Ou pas. Il y a un document. Ça. Il m'a téléporté. Ah, c'est CP108, il m'a téléporté dans sa dimension. Oh putain non. Ah oh, j'enchaîne des trucs. Ouais. Non mais. On dirait pas un peu Silent Hill, t'sais. Je connais ce truc. Et tu dois aller où là? Que t'es sorti? Je suis sorti, je sais pas comment. Normalement, il y a tout un clé. Mais en fait, c'est la dame volante, justement. Passer cette clé, je sais pas comment. Elle me bouffe derrière moi. Très très. On est en train de tracer là. Je viens d'enchaîner deux trucs de merde. Tu as mis une soupape. Tu régènes, tu régènes. Déjà, il n'y a plus de musique. Je vais terminer au plus vite. Je vais finir les sons. Vous entendez le spamming? Ah, c'est le même ordi, c'est le même ordi. Il y aura d'autres spécimens. Ouais, on n'a pas d'autres, on est bon. On est safe, je pense. Voilà, c'est... Beaucoup plus court. On l'a pas vu. À gauche. Il existe des un monstre qui one shot. Peut-être. Et là, je suis pas sûr. Y'a rien. C'est... Ouais, même... Putain de merde. C'est quoi? C'est pas le même chemin. Elle est pas là. Attends, no stress. Voilà. T'es full. Ouais, tu en trop. T'approches les murs. J'ai pas eu de pudding. T'as rien eu de tout ça? Toi t'as eu des gros monstres? Moi j'ai eu des gros trucs, c'était dégueulasse. Et on est quand même... Ah, le son. Ah. Ah. On va lire le mot. Oh, il est mignon. Voilà. I think this is my last note. I'm going to die. That's not true. This place was like my escape.
In the end of death, a king was born. Alors, je suis désolé, parce que en fait, je vais prendre le micro deux secondes. En fait, la personne qui m'a attaqué, la deuxième, pas celui qui m'a foncé dessus face à face, en mode creeper de ouf. C'est la dame, on va dire la dame blanche en quelque sorte, spécial spooky. Et en fait, t'as tout un tralala dans l'école où tu pouvais visiter chaque classe. Et dans chaque classe, tu voyais des enfants en fait. Parce qu'en en fait, on incarne en fait un enfant qui se balade dans la maison. Et en fait, les enfants dans cette école leur arrivait une petite mésaventure d'une dame, je crois, qui aurait perdu son enfant, etc. Et du coup, pour protéger les enfants, elle décide de les dévorer et de les enfermer dans son estomac. Bon. Et t'as une putain de cinématique d'horreur, je t'inviterai à regarder sur internet parce que là je me suis pas fait bouffer, je suis content. Où elle te fait du calme, mon enfant, tu es en sécurité maintenant. Ouais, t'es dans son estomac. Ouais, je crois que elle avait fait une fausse couche, je crois, l'histoire c'était ça, mais il faudrait revérifier. Donc ça, je connais pas. L'autre, par contre, l'autre qui m'a bien fait flipper. À mon tour ? Ouais, à ton tour, tiens. À toi de flipper un peu. Il y en a un, il est hardcore, mais ce sera encore bien plus tard. Je sais pas si on va arriver jusqu'au bout. Il faut savoir, je spoil aussi, comme ça, ça va rassurer. À partir du room 800, on n'est que sur du random. On peut affronter n'importe lequel. Là, je crois pour l'instant, on va juste affronter les créatures les uns après les autres. Mais il est possible qu'on rencontre ceux qu'on a déjà affrontés. Et lui, il va tomber sur 100 pièces tranquille et moi, je vais me retaper tout le hardcore. Non, parce qu'on a vu que dans 50 pièces, à chaque fois, il y a toujours un nouveau truc. C'est fait pour. Enfin, 50 pièces, en une dizaine de pièces, moi, je m'en suis tapé deux trucs. Hein. Bon. C'est pareil. J'espère que j'aurai pas le pire que je pense. Déjà, ça devient hardcore, là. Toi, d'araignée. Deux traces, hein. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas de la pierre, là c'est du marbre. Il y a un monstre où il faut pas quoi. Je peux pas te dire. Ah, c'est un nouveau truc pour toi. Bombe 210. Rien. On va aller tout droit, mais. Jour room 210. Ça y est, t'es sorti. Ah, le monstre de brume. On est en train de rater tout le roleplay de truc. T'es poursuivi par un truc. C'est vrai ? Ah ouais. Quand il y a la brume, t'es poursuivi. J'ai chopé le pire! Des fois, je peux pas courir. Ouais, ouais, moi aussi, ça me fait. T'as vu, quand il est prêt, il te fait des illusions de ouf. Oh putain! Il a ouvert la porte. Il est derrière toi. Il est défoncé. Il est à côté, il est à côté, il est pas loin. Eh hey, ça... Ah, ça change de touche. Ah, t'as changé de touche. Ah, c'est un peu... Oh, mais stop. Oh putain, il est juste à côté, ça veut dire ça. Oh mon dieu. Ça, il fait pas de dégâts, ça. Pièce et tout. Poursuis encore, hein. Je veux ma kick. Oh. Oh. Ça devient dur. C'est la même pièce, c'est à gauche. Excuse-moi.
possible. Ah, tu t'es mis en plein écran? Ça a fait. Comment t'as... Hop! Tu réchappes. On va devoir remettre. Mais je sais pas, un coup c'est en plein écran, un coup ça l'est pas. Non, on va pas. Excusez-moi, hein, c'est... On comprend pas comment ça se fait que ça nous arrive ce genre de truc. Bizarre. On a un petit bug map. 2 secondes. Ok. Super. Alors faut éviter de faire encore du. Capture de écran. Capture d'écran. Cool. Désolé hein, pour tous ces petits problèmes. Hein. Ouais, il lui arrivait exactement la même chose que moi tout à l'heure quand moi j'ai quitté le plein écran en appuyant J'sais sur. Pas, Ça doit être une combinaison de touches avec Shift, donc ça, ça pue la merde. Ça fait pas flipper, mais c'est très dérangeant. Un mauvais point. C'est sûr, parce que si tu fais ça et tu te fais poursuivre. Ouais. Ah, les Spooky qui t'a fait un petit coucou, t'as vu. Alors, reclique sur l'écran, voilà. T'es-tu ou pas? Ouais. Par derrière, d'accord. Alors, t'es plus poursuivi, ça va. Toi, tu tapes tous les trucs. Moi, j'en ai pas eu, hein. Quasiment pas. C'est dégueulasse. Non, mais moi, j'ai une brume où. Une brume qui te transforme en tout, mais en... il t'a rien fait, il t'a pas fait rien. Ouais. Je sais pas comment le jeu il sait que c'est toi, c'est la cam qui fait ça. C'est pas. C'est toi, il te fait des petits spooky de merde et quand c'est moi, il m'envoie des. Et de faire au plus vite. Voilà la room ça. Le pire c'est que tu t'arrêtes pile au moment. Ah, c'est ce qui se passe moi. Pouvoir de la finir. Non, ça résout, ça fait. J'ai cru entendre quelque chose. Oh, ça va m'écraser, non? J'avais du mal. Take the dead. T'as perdu. Je connaissais. Je l'ai laissé vert. Votre âme a été dans le maze. Le gros chemin. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est dès l'entrée, quand tu vois que ça commence à être le couloir infini, tu fais demi-tour. Que comme t'as vu, plus ça se rétrécissait jusqu'à ce que tu pouvais plus reculer, plus avancer. Et après, le monstre, il a juste à te cueillir. Ah, meilleur score. Bah, Spooky. Alors, on est re-téléporté au... Lag Studio. Attention, cette game contient des trucs... Oui, on l'a pas laissé avant l'enregistrement, désolé. Je marquerai. Continue. Allez. Je reprends. Ah bah oui, hein. Jusqu'à ce que t'atteins la room 300.
Si vraiment ça devient hardcore, ouais, on changerait, on mettra de 50 en 50 si tu veux. Faudrait que je descende, je crois. Ouais, tu veux qu'on le fasse de 50 en 50? T'es pas loin. Oui, 50 pièces, comme ça on a juste un event ou deux et après on peut se faire. On verra. Moi je me tape nuage encore. Tape les deux, ouais. Comment tu fais? Je vais faire rien d'autre. Ah bah voilà. Pour la manie. Donc c'est chiant. Ça m'énerve déjà, tu vois. Les trucs coûtent. Ça c'est vraiment le genre de jeu où il faut être patient parfois. C'est ça. Pour les nerfs, t'as envie que ça s'arrête. Donc on sait que là normalement. 110. 210. 210, pardon. C'est des rooms. Quand on joue en mode histoire, c'est des rooms fixes. Et le Endless, ça doit être le mode où t'as déjà tous les mobs et tout. Voilà. Normalement, il y a des messages qui disent qu'ils sont dans les murs, ils s'approchent, etc. Voilà. C'est là où je disais, je ne voyais rien. Voilà. Là, ça commence. C'est parti. Donc, il tue pas, mais mental. Mentalement, ça se fait. C'est sûr. Je regarde un maximum partout. Et t'imagines, il peut y en avoir plusieurs, lui et un autre. Tape ça, plus la petite fille, comme tu l'as dit, là. Oh là là. Le mur infini. Ah bah voilà, on a eu deux. Déjà j'ai moins eu de. J'ai eu peur parce que j'ai une femme. Elle est restée tout droit. Même le son il. C'est un jeu à stress, c'est pas un jeu vraiment qui fait peur. Ah, je vais bien dormir ce soir. Attends, mais combien j'avais esquivé Il va t'arriver encore une autre couille. On prend le schmilblick. Bon, il n'y avait pas de porte. Ah, bouge le regard. Alors, accès au spécimen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retourne au 6 normalement. Non, il y a pas mal de mobs normalement. Il y a pas mal. I think this is my last note. C'est ma dernière note. Je vais mourir. Je n'ai jamais trouvé la sortie. Ce n'est pas la vérité. Ah, maman. Cet endroit était mon échappatoire. Échappatoire pour tout. C'est un de ces.
Voilà. Il faut un demi-tour, c'est toujours ça. Non, c'est pas tout de suite. Tu verras à quoi ressembler. Ah. C'est le coup du mur, ça, c'est horrible. J'ai... Tu veux que je l'ouvre ou... Que je connais ça. Oui. Password pumpkin. Oui. Tu veux continuer ou c'est à moi? Je me sentais pas rassuré. Mais moi non plus je me sens pas rassuré. Je pense qu'on va pas aller jusqu'au bout, hein, je le sens. On va en avoir marre et on va faire un truc un peu plus sympathique après. Quand on en aura vraiment marre et qu'on se dit bon, c'est bon. C'est en ça. Fait. Il y a un truc dont j'ai horreur, et c'est pour ça que j'ai horreur des jeux d'horreur, c'est l'inconnu. On connaît pas. Quand je connais, ça va. Et encore, quand je connais, je sais qu'il y a du moment de stress. Mais quand je connais pas, c'est... C'est autre chose, ouais. Bon, quelle salle. Première vidéo, je m'en rappelle. Youtube. Mais bien, c'est le site. Mets-toi. Non, c'est quand. Toujours les mêmes. Le 6. Oh. Physique. Wooden life size. Une réservoir. À ton aspect. Et je me transforme en qui où tu voyais flou, etc. J'avais bien qu'il y avait une porte qui s'était ouverte. Ok. Attends, il doit peut-être les autres. Enfin, next. Oh. J'ai peur pour celui-là. Clique pour le 7. Ah, c'est le. Non, c'est... Donc c'est celui-là. J'ai peur le spécimen. Ouf, on devient un genre abs. Méthode absorbe, donc tu t'absorbes. Alors il flotte. Dans un chambre de terre. Ah bah c'est celui ah ouais Fatality c'est celui qui m'a tué quoi en gros. Wouah. Ah j'aimerais bien l'affronter quand même mais Fatality 0 méthode inconnue. Donc, une créature. Plus ça va, plus ils sont en mode.
Qui est le truc? Ils ont abandonné le spécimen. Je connais donc. Ouais, je le connais. Ah wow, mais c'est... Non, c'est le boss, ça. Vraiment, c'est lui. 317. Mais c'est pas... Ça veut rien dire. Ah, les victimes vanish, donc vanish et disparaît. Contrairement à la méthode, les victimes... Oh, c'est le dernier. On a fait une présentation de tous les pommes, en fait. Bon. Et tu peux peut-être modifier la... maison. Regarde ce qu'on peut, faire. En plus tard, on va avoir un fusil. Pas lui le plus dangereux. Chèvres, il y a des cochons, des chèvres zombies. Il y a des trucs. Si tu veux le modify house layout, tu le feras quand ce sera ton tour. Non mais regarde. Voilà. Pendant ce temps-là. Mais tu connais donc la grosse larve alors. Ouais, le truc aquatique il est bien. Pas le brouillard. Brouillard, il fait rien de spécial à part qu'il est trop fou, mais. Ah! Il a vu? La sorcière, comme tu disais. Bon. Ah! Ah! C'est elle! Mais ça tombe sur ma gueule! Au secours! Au secours! Au secours! Pourquoi elle me poursuit moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, mets une soupape. De 70. Courage. Pas la musique. Vous entendez le spamming? Mais tu régènes, tu régènes. Je veux bien. Oh, il y avait quoi? Voilà, pas ta musique. Fini, mais on continue. La musique elle est plus haut. Y'a plus? Y'a pas d'autre? On continue. Comme je disais, au bout d'un moment, ça devient aléatoire. Donc elle est revenue, la connasse. Quoi encore? Encore, hein? Non, oh, y'a pas de musique. Même pas la dame blanche. Enfin, ouais, la dame blanche, c'est une petite fille, hein. 15 rooms. Ça paraît pas grand chose, mais ça peut être extrêmement. Ça, je pensais que j'allais me retrouver coup de tonnerre. Tout droit, on s'en fout. Tout droit, on s'en fout. Tout droit, on s'en fout. Oh putain! Gauche. Pas tout gauche. On a 290, on est bientôt à 300. Oh putain. Ouais. No panique. Non. On s'en plaint. Moi j'attends boum boum. Non. Ouais. Y'a un poney ou quoi? Mur! Porte! Il m'a perdu là. Crash de mort. C'est bon ou ça ralentit le bobo?
Oh! Ah bah c'était... Le chasseur? Comment? Bah c'est pas lui qui a fait la dernière note? Il a une Bah si plume. si 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 Mais À bon. toi. Allez. Allez, fais des étirements. Je pense que dans les 50 prochaines pièces, on va Je s'arrêter. fais du frogger avec moi. Vas-y. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Rappelle, c'est lui qui a eu l'idée. On va se taper. Oh là. Bonne ambiance. J'adore comment on trace, t'as vu, on flippe trop maintenant. C'est vraiment un jeu, tu fais une petite cinquantaine de pièces par joueur, tu fais pas autant comme ça. Horrible. Encore là, on est deux, imagine, t'es tout Bon, on va laisser la lumière, ce serait bien. seul. Bah, il faut qu'on nous voit. C'est un event, tu vas affronter un nouveau monstre. The gist of the came winning to the river, crying and wailing, but the children will be doing. It dove into the river, trying to save his possession. The Thomas Paul Paul. Which is. Encore quelqu'un qui. I never come back to the surface of the water. Aquatique? Je suis pas sûr, hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Moi, je vois déjà un peu les trophées qu'il a sur le mur. Je pense au chasseur. Chasseur? Ah, c'est l'autre avec son sourire, ouais, c'est jouable. Courage. Un jour, un étrange marchand va dans un village, prend des marionnettes. On adorait sa boutique. Mais le village n'a pas pu le supporter. Parce que tous les autres boutiques ont fait faillite. Les autres marchands étaient jaloux. et une nuit. Un petit peu Ils peur. ont pris tous les. Ah oui, ils ont pris tous les marionnettes, ils l'ont balancé dans l'eau. Et donc ça a dû donner une sorte de malédiction à partir des marionnettes. Il a affronté une petite marionnette. C'est le marchand de. Oh, faut que ça tombe sur moi. Des trucs à faire. Ah, moi j'ose pas continuer là. Pas une clé. Ah, t'as une clé là. Pourquoi, mais je vais me chier dessus. Police. Les années ont passé, les enfants du village ont commencé à disparaître. De plus en plus d'enfants disparaissent. Et ils ont trouvé, et les autres membres de la population ont trouvé de plus en plus de marionnettes aux abords de la rivière.
Vraiment les... En tout cas, c'est la disparition des enfants et l'apparition des marionnettes sont liées. Moi, je pense que c'est les gosses qui ont été changés en marionnettes. Et une clé. Tu la prends pas tout de suite. I took not way. Shopkeeper, ouais, satisfait. Bon. Marchand de la fameuse boutique qui est liberté, là, avec ses satisfaits. Là, je pense que je prends de... la clé sur les ragnagnas explosifs. Me casse. Maman, il est dans la salle. Personnellement, je vois ça, j'ouvre pas la porte, quoi. Et parti. Le petit truc qui est petit. Oui, il vole pas donc. 10 secondes. Oh mon dieu. Je vais mourir. J'ai, ouais. J'ai pas de sprint. Ah mon dieu. Regardez pas. Regardez pas, hein. Ah, c'est bien gore quand même. Il va me crever l'œil, quoi, en gros. Because a puppet white on self of the pain and the bunchness of choice. No, nothing to... Laisse-moi finir, connard. Ouais, essaye, tu verras. Quoi? T'as parti? Ouais. Je vais retester encore une fois. Une fois. Si t'y arrives pas, je laisse tomber parce que moi non plus, j'y arriverai pas. Ori, 315. C'est horrible le truc. Ouais, je savais que celui-là c'est le premier mob où il y a eu énormément de game over dessus. Bon, vite par contre. Il est rapide. Tu sais que tu le rencontres déjà, il est en mode. Bon, 300. Il est pas mort, il est pas là, mort. This was the finalist thing to affect me. Affect me. I've been a look of a horror movie to know how to survive a simple ghost of town. But this monster keep a given faster. Donc les monstres deviennent de plus en plus rapides et forts. Ah bah tu m'étonnes, trois coups t'es mort. T'es trop court rapide. Wouah! C'était moins mignon ça. C'était pas un peu Luchimal. Pour information, on revient de la vidéo sur Utopia Rainbow de l'ouverture de booster avec des peluches. Reprends le contexte. C'est une impasse. Un truc qui te fait faire. 310. 300... Non, ouais, 310. Tu n'as pas joué un... Non. 310. Hein. Mais quand c'est toi. Oh bah oui. Aïe. Il reprend la clé, tire-toi. Le marchand. What? Je peux pas passer ça. On est bloqué. Oh. Comment faire alors? C'est une astuce, hein, peut-être quand on le regarde et bouge pas.
Hey. Paf. Comme ta bible. Essaye. Moi j'ai pas envie. On arrête. Bon, bah, c'était la petite soirée spéciale Spooky. On va peut-être continuer un petit peu. On va faire du persil, on va faire autre chose. Mais en attendant, je vais peut-être arrêter l'enregistrement ou on enchaîne avec un autre jeu tranquille, soirée spéciale. De toute façon, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Allez, vous allez voir les coulisses de mon stream entre deux trucs. Il y a plein de trucs. Il y a du Minecraft. Il y a du Yu-Gi-Oh si tu veux jouer en ligne entre des étrangers. En plus, il y a on est samedi. Il y a un OTK live en cours. De commenter quelques games, voir la méta actuelle. Je commente. Je vais expliquer. Je connais plus de cartes que moi, donc. Concrètement. Hop. Faut que je me connecte sur le Discord pour savoir. C'est chaud aujourd'hui, hein. Un jeu sympathique. Effrayant, mais sympathique. Bien, mais je pense qu'il faut pas enchaîner comme ça. C'est tranquille, au fait. Alors, tu verras comment. Ah bah c'est annulé. Ah merde. Que 4. Tout le monde affronte tout le monde aussi. Et tu peux jouer LOL. Et c'est bon, ok. Pas d'OTK live, c'est dommage. Ils n'ont pas fait d'OTK live. On regarde des matchs comme ça, on peut. Ouais, on peut. On peut. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On regarde les débuts. On est sur un magicien, counter magicien, donc c'est un magicien pendule. Plutôt. Ça, il joue avec le livre, je sais pas quoi. Voilà, pas le livre. Parce que je crois que je sais pas. Il joue avec le livre. Alors, par contre, dans Percy, comme on n'est pas en OTK live, il est possible que les gens utilisent des decks qui vont sortir. Excusez-moi. Et là le décalage. On va rajouter un compteur. Normalement. On débarrasse pour piocher deux, voilà, c'est le fameux niveau. C'est bien un magicien pendule. Il faut savoir que c'est le deck de sauture qui va sortir. Quoi ? Ouais. Il n'est pas encore sorti chez nous, les Indignons. Pas longtemps, on peut déjà en précommander. Il y a déjà, voilà, la semaine prochaine, c'est une preview pour. Je sais plus quoi. Et la semaine d'après, Cray, c'est justement ça. Preview aussi. Enfin, la sortie, quoi. C'est à peu près dans 2-3 semaines, normalement. Ça va révolutionner. En salon. Electrum. On dit une entité qui est dans le zone mais doit être invoqué spot. Le détruit. Lui il faut qu'il soit sur le terrain s'il veut. Je maîtrise pas trop ces decks. Il peut pas être détruit par les cartes AFP avec. Pas par tour, vous pouvez remove 4 counters. On a un Endymion d'un côté, est-ce que de l'autre côté ça joue? Oh, oh il a un pauvre raté. Oh, il a raté. Ah, quand il va regarder la rediff, il va être content. Alors. Bah, je suis bien content, mais malheureusement il n'est pas là, Araka. C'est pas le deck qu'il a joué, mais c'est le deck que j'aurais aimé qu'il jouait.
Ah bah alors là, domination totale. Ah, effet de l'autre. Il y a une Dimion. Dimion peut être protégé normalement. Oh, la carte d'exécution, parfait. Il a une très bonne main. Au dualité, il n'y a pas le choix. Oh, bien. Récupérer diagramme. Diagramme est fait. Quoi? Pourquoi? Oh, le misplay. Ah oh non, il va 7-2, ok. J'ai rien dit. Il va 7-2 du coup. Ça va, ils sont très bien. Si c'est qu'un seul, on sait que c'est la carte d'exécution, donc on doit être défaussé. J'aurais choisi diagramme pour What? Mais qu'est-ce que ça fait? Mais 7 tes cartes, pourquoi? Mal, abruti. T'aurais pu utiliser même diagramme pour anti-monstre. Ah bah alors là il est bien. Ah c'est cadeau là là. Ça a pas l'air d'être le premier round hein, pour que ça joue ça. Par... Ah non peut-être pas. C'est fini. C'est le run du. Totia. Et ils vont recommencer. Ah mais quel dommage franchement. Quel dommage. Rakat, t'es en train de rapter un moment mais... Il va t'y faire la grosse commission, il est en train de rapter un moment. Moi aussi. Allez. Donc ça joue 42 cartes du côté... Donc, le trou draco il est là. L'indimion est en bas. On le reconnaît avec l'extra deck qui n'existe pas là. J'aurais dû tout de suite capter ce truc là en plus. Livre. Il a peut-être un petit peu trop de. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne la partie livre, mais je crois pas qu'un deck en Dimion ça joue là-dessus. Ça joue surtout, c'est un pendule magicien. C'est bizarre que ça joue pas un classique pendule magicien. Ça joue vraiment en Dimion de base. Bon, ça jouait pendule magicien avec les Andimions, ça passait nickel. Pourquoi ils jouent plus? C'est pas Raka. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis en train d'être emmerdé. Moi je joue pas, je commente. En live. On sent bien que c'est une soirée avec des invités aujourd'hui. Oh, t'as raté, hein. Une déculottée en Dimion. Et le mec, il joue. Draco. Ah, ok.
On va laisser Araka s'occuper de ses problèmes personnels pendant quelques instants, le temps que je finis de commenter cette game épique. Donc, là, le trou Draco, il est moins bien par rapport au round précédent. Ils ont fait un rematch. Hein. D'accord. On dit même s'est pris une grosse déculottée. Mais... Donc, lui, c'est celui qui permet de chercher les NT. Lui, il a géré la carte. Je connais pas trop. Ah oui, ça reste quand même des spellbooks. Ouais. Oh, l'inspecteur border, ça c'est dégueulasse. C'est fort quand même. J'ai l'impression que c'est le nouveau trou Draco. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais c'est pas la première fois que j'affronte ce genre de deck. Enfin, que je vois ce genre de deck. Extrêmement redoutable. Ah, mais là, c'est le dernier. Dernier, mais je sais pas qui c'est qui a innové ce truc parce que c'est devenu une mode chez les trous Draco de jouer comme ça. Mais là, il a pas de monstre à sacrifice donc il est pas si redoutable que ça. Mais il n'y a plus d'effet de monstre. Lui, il peut plus activer les effets de monstre. Heureusement, il joue avec les pendules donc normalement il va jouer des links, etc. pour qu'au prochain tour il puisse jouer un petit peu. Sauf qu'il y a deux cartes face cachée, on sait pas ce que c'est. Ça peut détruire des MP, ça peut détruire des monstres si c'est ce que je pense aussi. Donc là, je connais pas trop le. Chaque fois qu'une carte magique ajoute un counter, vous pouvez enlever trois counters, invoquer spécialement, puis votre pendule zone. Ça, c'est la grosse carte. Là, va chercher une Wyrm. Du coup, défausser pour piocher. Les tutos. Maintenant il a invoqué spé, il a pas d'effet de monstre à cause du. Il a un monstre à 2 minutes, c'est ça. Ouais. Là il peut essayer d'attaquer. 2008, il passerait à. Connerie-moi. Pas par tour quand une magie. Regarde les spell counter, il se détruit. Can return une carte que vous contrôlez avec un spell counter dans la main si vous faites négatif avec le spell counter. Nous passons. Il oppose à le counter. Destroy a card on the field up to the number of cards. Contrôle. Ouais. Vous pouvez bouger 6 spell counters, donc je comprends pourquoi il faut plein de spell counters ici. Pour l'invoquer SP et remettre en fonction du. Bien frais ça, parce que. C'est vrai qu'il est pas bon. En plus, ça active des magies. Donc du coup, ça... Ouais, mais c'est le seul qui est fiable. Les autres sont moins bien, par exemple, on a Battle City Alpha, il faut jouer souvent, gagner souvent pour avoir plein de points. Ouais, il est très chiant et en plus il bug sur certains. C'est le moins bugué, Percy. Garuda. Non, pas Garuda, non! J'ai le droit sur FF3 et FF12. Dimion bête mythique, c'est ensemble. Hein. Avant, c'était des fracasses, etc. Rock Norm, ça rajoute un compteur. Voilà, eux, ils viennent de ça. Tu as pu le constater, au bout d'un moment, sur les decks de structure, ils ont fait mesure. Normalement, je crois que le prochain après, ça va être les guerriers. Et l'ordre du magicien. Écoute de l'ordre du magicien. Ils ont fait ça avec les rois anciens. Ils ont fait ça avec la véritable légende des grands dragons.
Il y a celui-là qui va sortir. Et au Japon est sorti. Il a quoi? Oui. Ah, Tempête, il va se servir pour sacrifier un demi-dieu. Ah, il n'y a pas ce qu'il faut. Là, tu veux, là. Je vais mettre des compteurs sur compteur magie pour la battle va taper évidemment, on n'a pas d'effet sinon il va récupérer des pièges. Mais là quand il va activer une carte magique ça va être annulé donc il peut plus activer la tempête. Exécution, ça va être annulé. Elle va revenir. Ouais. Elle va revenir. Elle est mort en fait, hein, celui qui a. Garde d'exécution, oui. Il a remis un demi-dieu, donc ça veut dire qu'il a un échelle pendule pour lâcher. Oh, il fait juste un échelle pendule, donc il va peut-être mettre en demi-dieu de ce côté-là pour justement retourner la game au cas où il avait quelque chose. C'est bien joué de sa part. Sur double échelle pendule, il peut faire un lion. Il peut faire une invocation pendule pour récupérer une des deux cartes qu'il a là. C'est quoi, une échelle 3, une échelle 8, donc il n'y a que Garuda qui peut. Ouais, il n'y a que Garuda. Il peut être invoqué là ou là. Et s'il a des monstres dans la main, il peut lâcher facilement. Je préfère le magicien pendule plutôt que l'endymion. Tu joues avec ça et tu joues avec un vrai mélange à faire le livre, je sais pas. Jésus, a fuck it up, remake, oh, sûr. Parce qu'il pose pas longtemps. Ouais. C'est sûr. C'est ça sur l'OTK live. Good luck of fun, ouais, ta gueule. De 2007. Moi personnellement si je joue à Yu-Gi-Oh bah je joue à Legacy. Ouais. Electrumite spécial pendule trop forte limite à une. C'était à 3 cette équipe. Que tu refaisais ses effets en boucle, du coup tu recyclais tout et après tu faisais une grosse pendule de ouf. Tu te faisais recycler Electrumite. Ça c'est une pendule 8 qui est là en bas là. Qui était sur le terrain tout à l'heure qui a niqué tout le board adverse et après par ses effets il s'est retrouvé. En fait, youtubeur il a chopé Thunder. Ouais. C'est lui, hein. C'est rare, c'est très rare. En fait, tu vois, dans. Comme il a dit, parce que là, il est parti sur des events à chaque fois. La semaine prochaine, preview. Dans 2 semaines, des 2 structures. Dans 3 semaines, un pack 100. Un pack 100, on va avoir. À 2 au moins. En booster. Hein. 2 ou 3. OTS. C'est un tournoi spécial uniquement OTS. C'est-à-dire qu'au lieu que tu fasses un tournoi où tu récupères 2 boosters 4,50€, tu gagnes des OTS en fonction. T'en as un qui est garanti, après tu peux en gagner plus. Ou deux. Ouais, c'est ah, peut-être. Si j'ai bien compris, hein. 27 c'est preview. Le 4. Le 4 c'est le truc, donc c'est le 11. Allez, on va regarder le dernier parce que ça fait une sorte d'égalité. C'est le trou de qui commence avec diagramme. Diagramme, effet.
faire carte. Les tutos, un trou Drake. Exécution, carrément. Là, il avait misclé aussi tout à l'heure. Il avait utilisé carte d'exécution. Il a fait peau de dualité pour récupérer carte d'exécution. Et au lieu de le poser pour le sauver, il l'a laissé se défausser. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Active. Deuxième diagramme. Ah ouais. Voilà, il a détruit carte d'exécution. Il va détruire ça, on ne sait pas pourquoi. Pour aller piocher plus. Alors, il pense que ça, c'est mieux de piocher comme ça plutôt que de piocher par carte d'exécution. C'est pas normal. Là, il a pioché qu'une carte. Bravo. Il avait deux diagrammes, il pouvait faire des moves de ouf et il a fait que de la merde. Il a le spécial piège, ça va. Elle était limitée à une, voire bannie à une époque. Trop forte. Il faudrait qu'ils étaient ultra nerfés, ça se battait contre les Zodiacs, contre Magicien Pendule, etc. Et eux, ils avaient fait leur preuve, hein. Et à un moment, il fallait limiter les dégâts tellement ils étaient forts. Et pourtant, c'est que des ultras. Mion. Chaîne. Ah, lui, c'est pour récupérer les pièges. Mais il misplay au fait, tu fais quoi, le gars? C'est pas fou, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais ça arrive souvent, hein. Je veux dire, il y a même Percy qui t'empêche de faire des effets, tu te poses la question et en relisant la carte, tu fais ah merde, ça marche pas comme ça. Ça arrive souvent ce truc. Ouda. Quand même. Pété. Putain, cette merde. Alors ce qu'il a cherché, c'est le tueur de monstres. Pour l'instant, il est tranquillement là, mais normalement, il doit être sur le terrain. Il est sur le terrain, c'est... Can you can play so many spell counters. Il y en a deux, ça fait 7 compteurs. Battle. Comme il a niqué le diagramme, il a pas le boost d'attaque et il a pas l'immortalité du premier coup. Alors qu'il aurait dû juste mettre son piège face cachée et encore, je crois qu'il aurait pu virer. Moi, c'est envoyé au cimetière, effet aurait détruit un monstre. Ça aurait un peu limité les dégâts parce que là. Là, prochain tour, le moindre échec de pendule, il est très mal. Ah, bah voilà. Tant pis, on verra pas à la fin. Oh, single K. K, c'est le même, hein. C'est le K qui joue le Magidol, ce qui m'a battu mercredi. C'est lui, le modo principal de la live. Non, vous êtes pas gentils les gars. Ok, je suis bugué. Et je me vois. Bon, fixe pas tout ça. Milo contre Pingy. Il utilise un pot, un nouveau pot, le pot de l'indulgence qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, Floraison de Cendre. Ash Blossom. Appelé Paraton, très bien. C'est un deck à 60 cartes.
Ah, c'est du mou. Oh non. Ah, ça va, c'est un ange cyberse. Une incantation, un box P, paf, un box P l'autre, effet, bim. Chercher une magie rituelle, bim. Nécrose. Pas montré un ange cyberse. Il a montré un ange cyberse, ça joue du nécrose. Je peux pas dire s'il maîtrise ou pas, mais moi j'aime pas ce genre de système. Utiliser les monstres. Oui, il a envoyé depuis l'extra deck carrément. Oh, une tisse. Quelqu'un a trouvé une utilité sur une tisse. Ok, unicorn. Target, on écrose cas, on écrose, on écrose, on fait unicorn. Adieu, on a un effet. Negate l'effet Facet Monster of the Field, va spécial summon for l'extra deck. Tous les monstres invoqués par l'extra deck, on leur a fait annuler. 2003, ça peut passer. C'est quoi? Ah, avion, ça me dit quelque chose, ça. Un deck de 60, donc là, on va pas faire quoi. Alors là, ça va sur une rapidement, dans 3 secondes. Vertex, on va Vertex. Nul. Trop connu. 10-4. H. Arche, pardon. Ou mousquetaire. Faut qu'il se débarrasse pour jouer pilule. Il peut pas jouer pilule comme ça. Avec 60 cartes. Remonte. Oh là, ça réfléchit. Milou! Il joue à Pokémon. Vas-y, mais je peux pas utiliser pilule. Je suis sûr que c'est ça. Pilule! Bah oui, normal, regarde, t'as qu'un monstre. Il faut un monstre non dino, regarde, ils sont là. Hop, Exis. Hop, tu t'en débarrasses, tu fais un nick. Ah non, il peut pilule sur sa main ou. Ah, il a banni sa main. Thousand Blade. Ta main, très bien. Tu pouvais pas invoquer plus de deck. Si, depuis le deck, et l'autre, c'est. Oui, c'est pas joué. Pourquoi je peux pas Exis et Volzar? Très bien. On se dit non. Ah, t'es. Oh, Seigneur Lumière aussi derrière. Tel que c'est. Il envoie au cimetière, hein, il détruit pas. Il envoie au cimetière, il a fait 1000 par monstre. Non! Et il a appuyé là accidentellement au lieu d'appuyer. Il pouvait attaquer avec les autres. Déjà. Il visgarde les sons de ton deck, tu même un monstre de faille spécial de manette. Le cas tu veux te visgarde, tu target, un monstre de besoin de contrôle. Les autres, il va te target. Les sons de trois cartes de deck. Je pense que c'était faux, mais non, c'est. 3 quarts de deck. Je suis là. Je suis là. Ouais, GG. GG Dino. Moi qui ai un doute magique rituel, je sais pas comment il peut s'en sortir. C'est une première fois qu'il va mettre face verso. Et de la merde, Necrose. C'était méta.
Et aujourd'hui, tu vois, on n'est pas obligé de jouer des monstres. Ça, c'est le con. Ça, c'est vraiment con. Quand tu affrontes ce genre de truc, tu pètes un plomb. Il te chaîne. J'annule ton effet, après, je le retourne face verso. Donc, vas-y, profite-en. Voilà. Là, il va se faire plaisir. Maintenant qu'il y a eu l'effet. Chaos Max, il est bien là. Ouais, Chaos Max, il est trop bien. Faut juste éviter que elle envoie un vortex ou un seigneur lumière sur 46 cartes. Oh, Gungir. Gungir est. Savait qu'il avait perdu. Un match. Cool. Décrozé en bas, le dino est en haut. Mais là, vous voyez qu'il y a un petit problème de. Il bug des pseudos quand c'est un. Ça va être avant. Yonak! Effet. Wow. C'est beau ça, c'est bien. Light. On voit peu. Celui qui est pas encore sorti, qui va sortir à la prochaine extension. C'est la seule carte qu'ils ont pas réédité, les enfoirés. Et peut-être Gunnir aussi qu'ils vont rajouter. Gunnir, il est pas sorti dans du coup. Oh, oh l'enfoiré. Il a pas fait la vocnorme. Oh l'enfoiré. Ah. Maître de la vanité, votre adversaire ne peut plus invoquer SP. Et c'est pire que le démon de la vanité. C'est pas un démon, c'est un elfe. Il est sorti dans un pack cyber ténébreux. Il est jamais ressorti après. Le démon de la vanité, il est hérédité. Mais lui, très rarement, je crois pas même. Voilà, Peggy. Oui. Le Thunder, le dino, il peut pas réfléchir. Il peut pas invoquer SP, tu sais. Voilà! C'était clair, hein, c'est la vengeance, le mec. Ouais, il a bien géré, c'est maître de la vanité qui a fait le taf. Hein, le reste, des nécroses et tout. C'était propre, hein. Ah, c'était très propre. Alors, j'ai compris pourquoi il jouait sa petite combo comme ça. Quand ça passe, c'est bien, mais quand ça passe pas, ben... ça passe pas. Bon, voilà, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la petite soirée spéciale avec Arakor. Je vais récupérer le micro. On se retrouve du coup, nous, lundi, pour la suite des aventures de Baba Is You, si je suis pas trop claqué, parce que j'ai encore un long week-end, un début de semaine. Ne dites pas que ça pardonne pas. Mais bon, ce sera Baba Is You, j'ai bien avancé, niveau de l'espace maintenant pour moi. Je te l'ai fait découvrir, ça. Hein. J'ai fait que le tuto. Je vous invite à regarder le premier épisode, j'étais beaucoup plus loin, moi. Et on va continuer lundi. On se retrouve après mercredi pour un petit OTK live ou Minecraft, ça dépend. Comme on a vu aujourd'hui, ça a été annulé parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Il est possible que mercredi, ça soit pareil. Et du coup, on va partir sur Minecraft. Et on se retrouve du coup samedi prochain pour la suite, cette fois-là, c'est sûr, la suite des aventures de Final Fantasy XII. Dernière chose importante, il est possible que ce jeudi-là, je stream. J'ai dit possible. Peu probable, mais possible. On sait jamais, une chance sur un million, on va dire. Tu crois que c'est combien 40 000 viewers qui veulent voir Squeezie et jouer avec lui. Je crois que c'est le jeudi qui vient, il faut vraiment que je prévoie comment m'inscrire, etc. Les inscriptions se terminent normalement la veille de son stream. Et après, on a 24 heures pour dire on peut participer à telle heure, etc. Voilà, il y a rendez-vous sur toi et tout. Ce qui m'emmerderait, ce serait d'être dispo, enfin, de devoir être dispo entre 20 et 21 heures. Ça serait chiant. Ouais, voilà, je vais voir comment ça va évoluer.
Et ce sera tout pour moi, à part qu'on a fait une petite vidéo, mais ça, vous l'avez vu en live, non enregistré. Ça va être bientôt, hein, la semaine prochaine, je prépare tout et j'envoie tout pour le doc. Machine Utopia Rainbow, j'ai perdu le nom, c'est les fusions. Les fusions avec Yuri devant, j'ai perdu le nom, je suis désolé. Il y a Yuri devant, il y a des Prédaplantes, des Peluchimol, des Invoquettes, des héros des éléments. Les Exécuteurs. exécuteurs fusion, voilà, c'est sorti il y a un petit moment maintenant, mais bon, Non. c'est fait plaisir à Raka là-dessus. Juste pour les prix de la plante. On vous invite à regarder la vidéo si vous voulez savoir ce qu'il a obtenu. Des trucs sympas, même si ça l'intéressait pas, mais des trucs sympas. Je vais essayer de piquer, tu vois. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne nuit plus plus. Tchuss les gens. Juste.